Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Esprit Saint nous conduira dans la vérité tout entière. Sœurs et frères, au début de cette célébration, tournons-nous vers le Christ avec confiance. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints quand il apparaîtra sur les nuées du ciel. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, versets 15 à 22. Les frères qui escortaient Paul l'accompagnèrent jusqu'à Athènes. Quand ils s'en retournaient, Paul les chargea de dire à Silas et à Timothée de le rejoindre le plus tôt possible. Invités à s'expliquer devant l'aréopage, Paul, debout au milieu d'eux, fit ce discours. Citoyens d'Athènes, je constate que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en parcourant la ville et en observant vos monuments sacrés,
J'y ai trouvé en particulier un autel portant cette inscription. Ô Dieu inconnu, or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas les temples construits par l'homme et ne se fait pas servir par la main des hommes. Il n'a besoin de rien. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'il habite sur toute la surface de la terre, fixant la durée de leurs histoires et les limites de leurs habitats. Il les a fait pour qu'ils cherchent Dieu et qu'ils essayent d'entrer en contact avec lui et de le trouver. Lui qui, en vérité, n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui qu'il nous est donné de vivre, de nous mouvoir, d'exister. C'est bien ce que disent certains de vos poètes. Oui, nous sommes de sa race. Si donc nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à l'or, à l'argent ou à la pierre, travaillée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur annonce maintenant qu'ils ont tous, partout, à se convertir. En effet, il a fixé le jour où il va juger l'univers avec justice. Par un homme qu'il a désigné, il en a donné la garantie à tous, en ressuscitant cet homme d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns riaient et les autres déclarèrent. Sur cette question, nous te coûterons une autre fois. C'est ainsi que Paul les quitta. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage. Il y eut aussi une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Après cela, Paul partit d'Athènes pour se rendre à Corinthe. Parole du Seigneur. Maintenant, nous allons méditer dans le psaume 148 en répétant après chaque strophe. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ensemble, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du roi des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ses anges, louez-le. Louez-le, tout l'univers. Ensemble, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur, tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre. Tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants, ensemble, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre, sa splendeur louange de tous ses fidèles. Ensemble, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Encore une fois, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Frères et sœurs, à présent, prière, vous me levez pour l'acclamation à l'Évangile. Parole de maître, c'est la vérité. Si nous goûtons, la vie n'a changé. Alléluia, alléluia, vienne l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qu'il nous guide vers la vérité tout entière. Alléluia. Prophète ou yo grand-mère, débaille parole là, méchant raïo, massacre nous yo. Parole ou yo
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 16, les versets 12 à 15. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous admirerons pour toute la grâce. Nous dirons salut, bon Dieu avec vous. Nous chanter pour vous, chaque sortie dans le ciel. Nous comptons, ouais, c'est nos cœurs où bon Dieu était. Marie, maman, nous venons chez nous, dans où nous trouver Jésus. Les nous va arriver, sembler avec vous, Jésus va dans nous en plein. Pour bon Dieu venir, rencontrer avec nous. Côté l'idée sonne, Seigneur ou Marie, les pour nous joignir, côté n'a pas nous pas besoin lion, l'autre côté passé non vous. Marie, maman nous venons soin nous, là où nous trouvons Jésus. Laisse-nous arriver, sanglier avec vous, Jésus va nous emmener. Frémio, semio, n'a pas célébré la messe, sixième mercredi, n'entend Pascal. Moi, je voulais commencer avec un petit rappel qui concernait calendrier l'église là, almanach l'église là. Nous arrivons dans la sixième semaine, dans ton Pâques là. Jeudi a fait exactement 39 jours depuis nous, ouais, dans ton Pascal. Après 11 jours, nous avons fêté Jésus qui montait dans le ciel. Et après 11 jours, nous gagnons pour nous fêter la Pentecôte, pour nous capables de mettre fin avec tant Pâques là qui portait 50 jours. Dans l'évangile, je dis, Jésus présente nous une rôle, l'Esprit Saint. L'itabon, frère Maxemio, pour nous affronter sous contexte historique, Jésus t'a prononcé discours, nous soutenons. Jésus est arrivé au terme de sa mission. Il va être jugé comme blasphémateur. Avant son arrestation, Jésus fait son testament.
L'évangile d'aujourd'hui est une partie du testament que Jésus nous a laissé. Nous allons attirer l'attention sur trois points. Premier point, Jésus annonçait que l'Église pour quitter partisan lio. Ce projet est très douloureux pour les disciples de Jésus. Cette annonce les rend tristes. À tel point, il n'y a pas même demandé Jésus qui côté le aller. Essayons de visualiser la situation des disciples. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Que vont-ils devenir sans lui? Rappelons-nous ces paroles de Pierre à Jésus. Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Marc 10, verset 28. Deuxième point, face à annonce qui dérangeait, qui bouleversait partisans, Jésus cherche à les tranquilliser, à les calmer devant l'épreuve de son départ. Jésus sait naturellement que cette nouvelle va les attrister. Voilà pourquoi Jésus les rassure en décrivant la nécessité de son ascension, la nécessité de sa montée au ciel. Dans le texte évangélien, Jésus dit, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » Jésus s'en va dans notre intérêt. En parlant ici, Jésus décrit la nécessité de sa passion. Le sacrifice de sa vie provoque sa glorification. Frère Maxemio, c'est la passion qui glorifie, c'est la croix qui élève. Le mot Jésus, c'est une provocation. Jésus l'avait dit aux pharisiens. Rappelez-nous, parole ça, Jésus te dit, pharisiens, yo. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Jean 8, verset 28. Jésus tout dit, yo, que nous sacrifions et puis nous sacrifions là, papa, pas prêter bois croisé pour le garder. Yo. Le sacrifice de la croix suscite la venue du défenseur. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Troisième point, Jésus présente la mission de l'Esprit Saint. La mission de l'Esprit Saint est de rester avec nous. Et déjà, ces significations mot paracléen, Jésus utilisé dans le texte évangile. Rappelez-nous que mot paracléa, ils sont composés de deux mots. Dans le mot paraclé, nous joignons le mot para, qui signifie auprès d'eux, et verbe kaleo, qui signifie appeler. Donc, littéralement, le paraclet, c'est celui qui est appelé auprès de quelqu'un. Et il pourrait traduire l'expression ça en latin par avocat. Dans le temps Jésus, dans l'époque Jésus t'a vivant, la loi juive, les papes prévoit que avocat doit prendre la parole. Avocat doit seulement souffler, accuser, ça vient pour le dire. Autrement dit, ouais, l'avocat c'était un souffleur. L'Esprit Saint, pas remplacer nous, dans ça pour gagner pour nous faire. Il vient pour souffler nous, position pour nous prendre, dans le moment de détresse nous. Nos moments difficiles, nous y sommes. L'Esprit Saint est un ami silencieux qui est toujours à nos côtés. Il est un compagnon très discret. Pour Saint Basile, l'Esprit Saint est pour nous un compagnon inséparable. Dans le credo, nous disons, il est Seigneur et donne la vie. Il procède du Père et du Fils avec le Père. Il reçoit même adoration et même gloire. Jésus montre nous que l'Esprit Saint n'est pas seulement un bouclier qui a protégé nous, mais un boussole, un GPS. Il montrera où est le péché, il montrera où est la justice, il montrera
où est la condamnation? L'Esprit Saint va dénoncer la perversité de ce monde. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus utilise un nom nouveau pour parler de l'Esprit Saint. L'Esprit de vérité. Rappelez-nous que dans la Bible, le mot vérité lui paraît plus que 200 fois. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Rappelez-nous dans le moment de condamnation devant Pilate, Jésus dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Pilate lui répliqua, qu'est-ce que la vérité? Frank Samio, nous chaque qui vient dans Neuvaine à Notre-Dame de Fatima, m'a invité à nous poser peut-être nos questions. Pour qui ça, ce texte évangile, ça, nous tendait dans nos oreilles? Qu'est-ce que la vérité? Chers et frères, la vérité est une puissance devant laquelle, tôt ou tard, chacun doit s'incliner. Dans l'évangile Saint-Marc, chapitre 4, verset 22, Jésus dit, « Pas gain en rien qui caché, qui pas dévoilé. La vérité est immortelle. » Je cite ce proverbe algérien. La vérité est souvent éclipsée, la vérité est souvent cassée, mais jamais éteinte. Frank Samio, la vérité est un élément impérissable. Jésus, tout en sachant que sa vie était en jeu, lorsqu'il était devant Pilate, Jésus a déclaré, tout le monde qui baptise la vérité, écoutez-moi, la vérité peut traîner, mais non périr. Les gens ne peuvent changer la vérité. C'est la vérité qui change les gens. La vérité nourrit l'âme, tandis que le mensonge la ronge. On n'invente pas la vérité, tandis qu'on invente le mensonge. Pour Saint Thomas, l'homme est fait pour la vérité, comme l'âme est fait pour porter du fruit. Jésus confie à Patizanio la mission de rendre témoignage de la vérité. Nous capables de souligner, Franck Semio, que dans Psaume 15, Psalmiste nous pose la question ça. Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Grand-mère, qui est-ce qui a entré la caillou? Si nous avons souligné le contexte historique, Psaume ça, bon juif, quand tu as récité psaume ça, c'est dans quatre pèlerinages. Avant d'y entrer dans le temple, avant de fouler le temple, il posait tête les questions. Sa grand-mère, qui est-ce qui a entré la caillou? Il répond, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Franck Samio, l'Église a pour mission de rendre témoignage de la vérité. Dieu connaît le fond de nos pensées, il sonde nos cœurs et rien n'est caché pour lui. Qu'a écoulé, capable de tromper le soleil, mais pas qu'à tromper la pluie. Jésus nous montre nous que nous avons un rôle de l'Esprit Saint, c'est conduire nous dans la vérité. Dans la prière, nous voulons la prière, nous voulons rappeler nous, parole ça Jésus pral dit nous, dans l'évangile Jean chapitre 8, verset 31. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Nous, chaque qui vient faire la prière, nous, je dis à bon côté, bon Dieu, par l'intercession, par l'intermédiaire de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, nous prenons demander bon Dieu grâce pour nous capables de vivre dans la vérité avec tête non, avec l'autre et avec les mêmes. C'est pour la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, la prière pour nous chaque qui vient vivre la foi nous. Pour l'Esprit Saint, capable de conduire nous, capable de guider nous dans ce même vérité. Je dis à jusqu'à ce que nous quittions ça. Amen.
frère mio, ce mio, dans le 7e jour de l'événement, nous prenons le campé pour nous capables de faire litanie à la Vierge Marie. Maman Fatima, mes petits tout. Maman Fatima, maman Fatima, maman, où elle est, moi. Maman, où elle est, moi. Maman, où elle est, moi. Seulement, réponse au matin. Maman, où elle est, moi. Maman, où elle est, moi. Maman, où elle est, moi. Seulement, réponse au matin. Notre-Dame de Fatima, où elle est, moi. Notre-Dame de Fatima, où elle est, moi. Notre-Dame de Fatima, où elle est, moi. Seulement, réponse maintenant. Pour tout le monde qui a souffert. Maman, où elle est, moi. Dans l'itanie, nous pouvons le faire, nous pouvons mettre problème personnel, nous yo, problème famille, nous yo, problème pays, ya, problème malade, yo, avec problème tout le monde là, devant bon Dieu. C'est pour la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, côté voile. Seigneur, au Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Marie, reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Vers toi s'élèvent nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des vierges, priez pour nous. Mère de Jésus, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous. Mère du Sauveur, priez pour nous. Ô Marie, toi s'élève nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Mère très pure, priez pour nous. Mère très chaste, priez pour nous. Mère sans tâche, priez pour nous. Mère de miséricorde, priez pour nous. Mère de l'espérance, priez.
Marie. Marie, reine du monde, vers toi s'élève nos prières. Entends les cris de tes enfants, ô Marie. Ève nouvelle, priez pour nous. Fille de Sion, priez pour nous. Servante du Seigneur, priez pour nous. Anse d'alliance, priez pour nous. Porte du ciel, priez pour nous. Étoile du matin, priez pour nous. Ô Marie, Marie, reine du monde, vers toi s'élève nos prières. Entends les cris de tes enfants, ô Marie. Soutien des consacrés, priez pour nous. Modèle des épouses, priez pour nous. Santé des malades, priez pour nous. Consolatrice des affligés, priez pour nous. Avocate des opprimés, priez pour nous. Secours des chrétiens, priez pour nous. Ô Marie, Marie, reine du monde, vers toi s'élève nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Notre-Dame du perpétuel secours, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame des malades, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame du rosaire, priez pour nous. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Ô Marie, Marie, reine du monde, vers toi s'élève nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Notre-Dame d'Altagrâce, priez pour nous. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Reine élevée au ciel, priez pour nous. Reine de tous les saints, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Ô Marie, Marie, reine du monde, vers toi s'élève nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Ô Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, Mère de miséricorde, consolatrice des affligés,
Vous connaissez nos besoins, nos peines et nos souffrances. Daignez abaisser sur nous un regard favorable. Nous venons avec pleine confiance implorer vos maternelles faveurs. Exaucez, ô tendre Marie, nos humbles prières et comble-nous de vos bienfaits et nous efforcerons d'être dignes et d'imiter vos vertus pour participer un jour à votre gloire. Ainsi soit-il. Ô même Marie, ô maman, bon Dieu, bas-nous. Côté ou parrain, Satan disparaît. D'un pays combat, vivre devant nous, maman. Levez talons, crasez ta diable. Nous pitié, ouvrez. Le bon Dieu t'aimait, vive nous. C'est notre liberté. C'est tous les jours là bas nous la vie. Bon Dieu, ô même Marie, ô maman, bon Dieu, bas nous. Côté au parrain. Satan disparaît, n'a pays combat, vite prend devant nous, maman. Levez ta langue, crasez ta diable. Voici, Seigneur Jésus, toi qui te donnes sans mesure, voici, je t'offre tout maître, oh, je t'aime, mon Seigneur. Voici le Père qui devient. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde péché, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Et saint, oh Dieu, tu es saint. Tout l'univers te proclame saint. Tu es saint, oh Dieu, tu es saint. Tout l'univers te proclame saint. Hosanna, Hosanna, tu es le roi. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, tu es le roi des rois. Hosanna, Hosanna, tu es le roi. Saint, oh Dieu, tu es saint. Tout l'univers te proclame saint. Tu es saint, oh Dieu, tu es saint. Tout l'univers te proclame saint. Hosanna, Hosanna, tu es le roi. Tu es le roi des rois. Béni soit celui qui vient. Au nom de notre Seigneur saint. Hosanna, Hosanna, tu es le roi des rois. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire Sylvain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur les personnes qui recommandent cette messe de façon spéciale, sur Sylvie Jean-Charles, Maxime, Georgette Jérôme, Wittensi François, Stécie Gabriel, Olivier Février et sa mère, Claire Vince Eden et sa famille, sur les malades, les laissés pour compte, les souffrants de notre cher Haïti, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La vérité nous rendra libres. Jésus bat nous l'esprit de vérité pour être capable de conduire nous, guider nous vers la vérité tout entière. Nous prenons l'ouvrir bras, nous frappons ce mur, pendant nous prenons mettre pays, nous, la vie famille, nous, la vie personnelle, nous, tout le monde là. Nous prenons mettre devant bon Dieu. C'est pour bon Dieu que tu vois nous, dans le septième jour de veine. Papa nous, qui nos ciels là, c'est pour vos lentilles vous faites soutenir dans coup nos ciels là. C'est pour vous respecter nos roues. C'est pour vous reconnaître ces roues qui voient. Pouvons l'enterre ou faire sous.
terre, tant qu'on en ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Commande-moi à pouvoir s'épouser, louange à compliment Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Discours
partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Qu'il y ait sur ton chemin du soleil ou des nuages, il y ait sur ton chemin de la boue ou bien des fleurs, partager. Partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament. Thank you.
en toute création. Par tous les animaux, de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'honneur que tu fis, juste moins grand que toi. Ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es bon, Dieu vivant, Dieu très grand, tu es le Dieu d'amour. Cette main tendue qui invite à la danse, par le baiser jaillir, d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Kounia Frémio, Semio, nous pouvons faire la prière, septième jour, neuvaine. Thank you.
maman Notre-Dame, maman d'un pain ici, espoir n'est qu'un nous vîmes faire compliment. Marie, c'est vous qui invoque nous, c'est vous qui défend cause nous. Maman, souffrance nous, c'est souffrance nous, toujours si éclos danger. Vive maman Notre-Dame, maman peu païsienne, espoir n'est livret, page 16. Ensemble. Notre-Dame de Fatima, nous voulons partager ta joie d'avoir été choisie pour une grande mission. Ta gratitude devant le projet de Dieu qui s'est dessiné en toi laisse transparaître l'extraordinaire richesse du salut qui nous est donnée. Nous voici devant toi. Tu sais que pour les siècles à venir, rien de plus beau ne peut arriver à l'humanité que la venue de notre Seigneur en toi. C'est ce que très tôt tu exprimais dans ton Magnificat. Tu sais que notre joie ressemble à la tienne le jour où nous consentons à nous émerveiller comme toi de ce grand mystère d'amour offert gratuitement à l'humanité. Et c'est pourquoi, dans l'élan de la joie, nous voulons chanter sans fin les louanges de notre Dieu. Que notre reconnaissance s'ajoute à la tienne dans le même élan du cœur. En cette fête de Fatima, la foi nous invite à croire en la puissance de ton intercession auprès de Dieu pour nous. Maman, sois la mère dont nous avons besoin pour goûter pleinement à la grâce qui nous est offerte au quotidien dans le don de la vie de ton Fils. Nous voici devant toi avec nos cruches vides, nos douleurs, nos déceptions, nos humiliations de toutes sortes, nos difficultés, nos peurs, nos angoisses, nos maladies, nos problèmes matériels, sociopolitiques de notre cher Haïti. Nous t'en prions de sécher nos larmes, d'apaiser nos douleurs, de guérir nos maladies, de panser nos plaies intérieures. Avec foi, espérance et charité, nous t'adressons cette demande. N'a printemps pour nous capable de formuler demande nous dans le septième jour de Vendée. Nous t'aimons et te remercions d'être ce que tu es. Prière du septième jour de la neuvaine, ensemble. Notre-Dame de Fatima, tu as enduré beaucoup de douleurs lorsqu'à 12 ans, lors d'un pèlerinage à Jérusalem, Jésus était resté dans le temple. Tes souffrances étaient pareilles à celles des parents qui cherchent aujourd'hui un proche kidnappé. Viens en aide aux otages et console les parents affligés. Toi, la souveraine et la maîtresse des anges, envoie tes saints anges pour que sous tes ordres et par ta puissance, ils délivrent les personnes kidnappées, qu'elles recouvrent leur santé physique, psychique, spirituelle et morale. Dès consoler leurs parents,
et aide-les à se relever de cette douloureuse expérience. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pour malade, yo, sak souka ban l'hôpital, sak la kayo. Marie, c'est pour content ou même qui plaît faveur que mettre là avec vous. Li béni ou passe toute fille maman et li béni Jésus petite ou feya. Marie ou sainte, ou c'est maman bon Dieu, non c'est pécheur, la prière pour nous aujourd'hui, à clé nous prenne pour nous mourir. Amen. Pour toute famille qui souffre à cette terre, une façon spéciale, famille qui vient de l'onanger, dans le moment ça. Marie, c'est pour content ou même qui plaît faveur de mettre là avec vous. Li béni ou passe toute fille maman et li béni Jésus petit ou feya. Marie ou sainte, ou c'est maman bon Dieu, non c'est pécheur, la prière pour nous aujourd'hui, à clé nous prenne pour nous mourir. Amen. Pour tout le monde qui n'a misé dans le pays, sac dans le grand coup, sac pas de travail, tout le monde qui a connu vieux moment dans la vie, yo. La Vierge Marie, mais yo. Marie, c'est pour content ou même qui plein faveur de mettre là avec vous. Li béni ou passe toute fille maman et li béni Jésus petit ou feya. Marie ou sainte, ou c'est maman bon Dieu, non c'est pécheur, la prière pour nous aujourd'hui, à clé nous prête pour nous mourir. Amen. Vive papa avec petite là avec l'Esprit Saint. Commencement, ni aujourd'hui, ni tous les jours et pour tout un grand temps. Amen. Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima. Priez pour la conversion des pécheurs. Notre-Dame de Fatima. Priez pour la conversion des pécheurs. Saint Joseph. Priez pour nous. Ô Marie, même j'en t'ai fait dans nos canards. Ou à côté Jésus, ou d'une divin fini, l'idée qu'on te voit. Clôté tout divin, Marie, maman, nous, une potente secours, Marie, belle maman, une quête mène, sous mon Golgotha, où t'es devant la croix, Jésus, remets-nous nos mains. Recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Supplication à Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice du démon. Que Dieu exerce le soumis. Nous faut le demander à l'esprit. Et vous consolez. Satan et les esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Ces anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Ces anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Ces anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Sang précieux de Jésus, tombez sur nous en puissance. Je dis à Jésus, nous montrez-nous, nous avons rôle l'Esprit Saint, c'est conduis-nous, guidez-nous vers la vérité. Fait que ce mieux, la vérité nous rendra libre. Moi, des bon Dieu, pour nous capables de vivre dans la vérité avec tête, non? Avec l'autre et avec lui-même. À chacun de vous, bonne soirée et bonne méditation. Merci, mon Père. Allez,
dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Téléphone dans son nez, en haut dans le ciel, réceptionniste, longuet, bras, c'est maman, ma vie. Il résume tout ça, nous dit, portez le bain Jésus, Jésus même portez le bain papa, tout bagaille, ok. Maman, ma vie, moi, j'ai problème. Jésus, ça. Maman, ma vie, me décourage. Jésus, ça. Maman, ma vie, moi, pas me travaille. Jésus, ça. Message à tomber, conversation en démarrer, la grâce va tomber, bénédiction, bon Dieu descend, ça c'est gros bébé, maman Marie, moi qui problème, maman Marie me désespéré, maman Marie paye dans Seul moi